train. Then shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Qu'est-ce que c'est ce mélange? Ceci est un mélange favorisant l'effet osmotique. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de jus de raisin, deux tiers d'eau et deux pincées de sel. Ceci pour favoriser l'absorption d'eau et des nutriments par les cellules. Parce que dans les gros efforts comme ça, quand on se déshydrate, eh ben on perd son sel. Et quand on perd trop son sel, on a beau boire tout ce qu'on veut, ben on ne se réhydrate pas. This is not the true story. This is not reality. And get her. Sérieusement, on sait pas si on va arriver ce soir à destination. Mais faut explorer, mon petit gars. Nous sommes à Blois. Il fait pas très très beau, mais il fait bon. Nous venons de plier le campement. Nous sommes ready. Et nous nous dirigeons vers la ferme de la Bourdaisière. Yeah, 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 yeah. Vous pouvez admirer le sens de l'orientation de Nicolas. Non, l'orientation est bonne. C'est juste qu'ils ont fermé le chemin. Bon, on n'a pas de canoë. Allez. Donc ce que m'apporte ce stage à la ferme de la Bourdaisière, c'est une mise en pratique du maraîchage avec des pratiques agroécologiques. Donc avec les deux maraîchers qui sont sur place, Tony et Corentin. Je suis maraîcher ici depuis un peu moins d'un an, en CDI. Parce qu'ici, c'est une ferme qui fonctionne sur une base de salariat. Donc il n'y a pas de patron en tant que tel. Il y a des responsables, mais voilà, ce n'est pas une ferme classique. On est du coup sur une ferme un peu expérimentale, un peu test aussi agricole pour les jeunes agriculteurs comme nous qui se lançons. Voilà, donc là ici on est très peu mécanisé, on travaille beaucoup à la main et on travaille sur petite surface. Donc moi ça me va très bien d'apprendre de cette façon-là. Parce que du coup disons qu'on est entre le jardinage et le maraîchage, quoi. Et du coup au niveau des cultures, on essaie de diversifier au maximum aussi. On a des variétés anciennes ou des trucs assez rares qu'on ne trouve pas. Pas ou peu, parce que voilà, c'est pas forcément très rentable de les produire. Donc nous on les produit vu que voilà, c'est une diversité génétique, disons. Je pense que le changement en agriculture, en tout cas, viendra surtout de l'exemple. Donc pour moi, si on arrive à monter un système agricole fiable, viable économiquement et écologiquement, surtout, malheureusement, c'est l'argument économique qui prime surtout. Donc il faudra d'abord que ce soit là-dessus que ça marche. Et c'est par ça qu'on y arrivera. Après, les changements en agriculture seront très compliqués parce que les agriculteurs sont verrouillés dans un système qui les pousse à investir toujours plus. Les aides, la politique agricole commune, les aides européennes, elles poussent vers ça. Donc c'est très difficile de sortir de ce système d'endettement. Ce qui va permettre le changement, c'est d'expliquer aux gens. Et après, pour moi, il y a aussi une autre partie des personnes qui savent, mais qui ne veulent pas ou qui ne savent pas comment agir, en fait. On
certifié bio, on n'utilise pas de traitement de synthèse. Et pour être honnête, très peu de produits phyto, parce que même en bio, il y a quand même des produits phyto qui sont autorisés. Nous, on est plutôt sur du purin de plantes, purin d'ortie, purin de prêle, purin de consoude. Bon, quand nécessité oblige, voilà, si on a une attaque de mildiou, disons qu'on va utiliser un cuivrol ou quelque chose dans le genre sur la tomate ou autre. C'est important d'expliquer ça, parce que souvent, on a en tête que le bio, c'est quelque chose, c'est zéro pesticide, tout ça. Non, et les bio, c'est quand même un cahier des charges. Ouais. Pour quand même cultiver pour un certain nombre de personnes, on est obligé de faire appel à des aides. Voilà. Nous, on l'utilise pas, mais il y a un insecticide qui s'appelle du pyrètre. Donc le pyrètre, c'est une plante, et en fait c'est un insecticide qui lui n'est pas sélectif. Donc si on l'utilise, il va tuer toute la biodiversité, tous les insectes qu'il y a en place. C'est bio, mais c'est pas éthique, c'est bio, c'est pas durable. Voilà. Ouais. Donc nous, on l'utilise pas. Déjà, cette ferme, elle réapprend aussi à lier agriculture et écosystème, justement. Considérer l'agriculture comme un écosystème, parce que de base, l'agriculture, c'est ça, c'est des associations de la faune et de la flore. C'est pas forcément des monocultures. On travaille aussi avec une association qui s'appelle Sauve qui Plume. Donc c'est un refuge pour animaux sauvages, et ils nous ont apporté la semaine dernière des hérissons. Ah, okay. Pour, en fait, c'est des animaux qu'on leur amène soit blessés, soit petits, soit malades, qu'ils soignent, et ils les relâchent en nature. Et du coup, nous, ici, c'est intéressant d'avoir des hérissons, pour, vu qu'on a pas mal de limaces et tout. Et, les hérissons sont insectivores, ils mangent aussi les limaces. Donc, tout est c'est un équilibre que vous cherchez à maintenir. Ouais, exactement. C'est un principe en permaculture qui consiste à empiler des couches donc de carbone et d'azote. Donc si je dis carbone-azote, ça va pas forcément parler, mais du coup... Concrètement, c'est plutôt... Alors tout ce qui est carboné, c'est tout ce qui est de matière sèche, paille, bois exactement, écorce. Tout ce qui est azote, c'est plutôt ce qui est matière verte, donc épluchure, herbe de tonte. On peut mettre des orties fraîches, ça fait une couche d'azote. Enfin, voilà, tout ce qui est vert, en fait. Et tout ce qui est... Du coup, le principe de la design, c'est d'empiler une couche de vert, une couche de marron, une couche de vert, une couche de marron, une couche de vert, et ainsi de suite. Donc là, on les a montés, nous, jusqu'à 60 cm de haut à peu près. Ensuite, on a fini par une couche de compost, et après, la décomposition s'active. C'est pas si compliqué que ça, à petite échelle, d'appliquer la permaculture à des techniques de permaculture. L'absinthe, elle a un effet répulsif sur les ravageurs des fruitiers, donc c'est pour ça qu'au pied de chaque fruitier, il y a un pied d'absinthe. Donc ça, c'est de la culture associée, pure. C'est un des principes de la permaculture. Exactement, ouais. L'idéal de société, ce serait se retrouver nous déjà entre humains, refaire le lien social qu'on a complètement perdu avec ce processus d'individualisation. Aujourd'hui, malheureusement, pas grand monde connaît son voisin. Et pour avoir vécu à la campagne et en ville, c'est à peu près le même cas partout, malheureusement. Donc pour moi, ce serait ça, des petites collectivités qui se autogéraient et qui partagent ensemble une mouvance pour une forte sensibilisation de la population à toutes ces questions d'effondrement écologique, économique, etc., toutes les questions d'écologie. Et je trouve ça bien qu'une partie de la population commence à prendre conscience qu'on fait partie de cette nature et qu'on n'en est pas détaché. Mais c'est aussi un héritage de la civilisation, on va dire, occidentale, où on a commencé à séparer la nature et la culture, et c'est à partir de là qu'on a commencé à tout détruire. Donc du coup, pour moi, mon idéal de société, ce serait réduire sa consommation de viande. Il est sûr qu'il faut réduire sa consommation de viande. Après, de l'arrêter complètement, je pense pas non plus, puisque l'agriculture repose depuis très longtemps sur la polyculture élevage. Donc les agriculteurs ont besoin de l'élevage pour ne serait-ce que fertiliser leur culture à l'aide du fumier. Que les animaux, en mangeant l'herbe, la valorisent et la transforment en une fumure très riche pour entretenir les cultures. Malheureusement, aujourd'hui, la viande, elle est nourrie au maïs et soja, donc on cultive des champs pour nourrir nos animaux, et ça, niveau bilan carbone, c'est pas génial. J'ai réfléchi dessus, je me suis renseigné sur beaucoup de choses, et sur comment se nourrir bien pour la planète, bien pour nous aussi. Pour tout. Ça poire de terre, car c'est un peu une texture de poire. Moi, je trouve que c'est entre la poire et la pastèque au niveau texture, et un peu juteux. Et c'est un légume d'hiver qui peut se consommer cru ou cuit.
Donc assez intéressant. Cuit, moi je trouve que dans une salade, c'est... Dans l'éducation, remettre vraiment par exemple une matière ou apprendre aux enfants comment faire un petit jardin, comment bien manger ses légumes, qui permettrait de les rapprocher de la nature. Les cardons, en fait, c'est la famille des artichauts. Exactement. C'est la même aussi la famille du chardon, exactement aussi. Les cardons sont des chardons domestiques. La fleur se mange, mais à un stade assez jeune, pas comme l'artichaut. Donc parce que sinon c'est un peu amer. Sinon c'est la plante qui se mange, mais là c'est un légume d'hiver. Hein. Du coup là actuellement il est monté, mais en hiver fait plutôt quelque chose d'assez touffu. Ici on est bien, on travaille, mais on discute beaucoup, on est bien, on aime ce qu'on fait, c'est cool. Et puis j'avais jamais bossé dans une ferme, du coup ça m'a permis d'apprendre aussi. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'agroécologie en France, c'est Vers de Terre Production. Donc c'est un groupe d'agronomes et de paysans-chercheurs qui se sont regroupés pour mettre en place des formations et les mettre en open source, disponibles pour tout le monde. L'herbe de bison, ouais. Voilà, ciboulette, coriandre vietnamienne. Et ici, on a de la ciboule de Chine juste à côté. Donc ça, clairement, ce que ça sent, c'est on a l'impression de manger un nem. C'est un peu ça, ouais. Si vous sentez l'odeur du nem, c'est... en fait, c'est ça. Hein.